Félicitations pour votre troisième bon résultat. On aimerait à Chou que vous le donniez, commenter ce match. C'était un match, comme on s'y attendait, c'était un match très serré, très fermé au départ. Ah, il était important d'ouvrir le score, donc ce qu'on a su faire. Je pense qu'on a fait une bonne entame de match. Sur le match, je pense qu'on s'est créé les occasions les plus nettes. Mais ça a été difficile en deuxième mi-temps et il a fallu beaucoup d'efforts. On n'a pas assez tenu le ballon pour desserrer les taux adverses, mais on fait encore preuve d'un grand courage, beaucoup de solidarité, un état d'esprit exemplaire. Et je les félicite et remercie pour ça. Parce qu'à chaque match, ils sont exemplaires. Et vraiment. Je suis fier de les entêter. Et puis, bon, on a su marquer, on a su faire ce match. Et contre une équipe qui était invaincue, qui était leader, c'était très un match qu'on savait difficile. On a su faire face et, bon, ils sont à la bonne idée. Sur les 6 derniers matchs, on a fait 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Sur les 7 derniers, les 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc c'est bien, on est sur un bon rythme. C'est très important ce que je veux vous dire. Vos joueurs, les joueurs sont pleins du terrain. Ah oui, le terrain était très difficile, catastrophique même. C'est difficile de jouer au football sur un terrain comme ça. Mais bon, on peut faire avec et ça va. C'est le lot des bons joueurs de savoir s'adapter aux conditions de terrain et de météo. Quand je te dis que toi, parce que revanche dans les fêtes de la Coupe, c'est un revanche de la défaite de la Coupe. Revanche, c'est comme ça, c'est passé, on les avait battus au match aller, on les a battus au match retour dans des circonstances un peu délicates avec les tours. Bon, c'est comme ça, c'est le football. On est là pour à chaque fois essayer de remporter le match. Qu'on ait perdu avant, qu'on ait gagné avant, ce qu'il faut c'est remporter le match là. Mais c'est important pour nous parce que ça nous garde dans la course au podium. Et on peut continuer à avoir de l'ambition pour la suite. C'est un tournoi important. Est-ce que vous programmez un stage Pour l'instant, nous on programme un match de championnat le 23 novembre. On pense qu'on jouera la Coupe de la Baisse le 23 novembre, donc on va s'entraîner. Comme si on devait jouer le 23 novembre, puis après on verra, on s'adaptera. Vous allez encore subir une grève. Oui, ça, on ne peut rien faire. À nous de nous adapter, comme je dis. Bon, c'est le lot des gens et des entraîneurs de devoir s'adapter à toutes les conditions. Il va y avoir cette trêve. Malheureusement, on va arriver là après 10 ou 11 journées de championnat. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Coach, vous avez décidé dans l'estade des joueurs libres? Oui, on est décidé. On attend, on est encore là. Merci, coach. Merci.